dans un jeu où il va falloir retenir son souffle le plus longtemps possible pour essayer d'avoir des trésors le plus possible aussi. Bienvenue dans le triangle des Bermudes. Je reprends mon souffle parce que oui, c'est vrai, on va retenir son souffle. Concrètement, parce que dans Bermude, un petit jeu qui arrive chez Gigamic, petit jeu, vous le voyez hein, dans la petite boîte, mais pourtant, ça reste quand même un grand jeu, il y a un timer très particulier, mais ça, c'est Madame Mathilde qui va nous en parler. Bonjour Mathilde. Salut, ça va? Bienvenue à toi. On a besoin de shocker si jamais tu tombes en force de retenir ton souffle. Non, on s'en sortira. On va s'en sortir. Celui qui a des pectoraux proéminents et qui normalement va nous mettre une raclée, c'est Jérémy Kaplan. Ça fait deux fois. Salut Jérémy, comment Salut. Vas-tu? Salut Guillaume, ça va? Bien, et pour nous accompagner, et là je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit, Patricia, salut Patricia. J'avais peur que tu pactes mes pectoraux. Non, je ne le ferai pas, promis. Bermude, un jeu de Carlo Emanuele Lanzavecchia. Oi, italiano, si. Si. C'est Gigamic, c'est à partir de 10 ans, parce qu'il faut retenir son souffle et il va falloir en avoir un petit peu. De 3 à 6 joueurs et les parties durent carrément 15 minutes, donc pendant 15 minutes on ne respire plus. C'est ça. Hein, quasiment. Quand est-ce que ça arrive, Mathilde Bermude? Juillet. Juillet 2016, on est dans les formats 12 euros, mm-hmm. C'est ça, je ne me trompe c'est pas. Ça, format 12 euros et c'est illustré par Oliver et Sandra Freudenreich. Donc nous sommes dans le triangle des Bermudes. Visiblement, il y a de la sirène et du trésor, mm-hmm. Mais il va falloir plonger pour aller récupérer tout ça. Exactement. Je mets la boîte qui est la boîte française. Les cartes que nous avons ici, il y a marqué Bermuda. Ce n'est pas une histoire de tailler un short à qui que ce soit. C'est juste qu'on attend qu'elles arrivent avec la version française. On va jouer avec la version allemande en attendant. Je mets le Bermude dans le devers de Trick Track. Ouais. Et on t'écoute, Mathilde. Eh bien, donc, nous sommes dans un jeu coopératif. Mais donc plutôt ado-adulte à partir de 10 ans. D'accord. Et dont le petit twist rigolo, c'est que la durée d'une manche va être déterminée par notre capacité à retenir notre respiration. Oh là là. D'accord. Okay. Donc, on va prendre une grande inspiration. On va jouer et le premier qui va dire voilà, qui devient tout bleu avant qu'il ne meure, il respire et là ça met tout fin immédiatement à la manche. D'accord. On va avoir. Donc, même si les autres le retiennent tant plus pis. Longtemps, c'est coop, il y en a un qui c'est casse. C'est même si on a Jacques Mailleul et qui dure 15 minutes, oui, c'est ça. Et ben, nous, c'est le plus faible. On avance au rythme du plus faible. Voilà. Enfin, mais ça ne laisse pas mourir. Méchant, donc, oui, c'est ça. On ne va pas le laisser mourir. Non, c'est ça. Il a la capacité qu'il a. Voici donc les petits trésors. Est-ce que je peux en mettre en caméra déportée? Hop, je vais en prendre un petit peu au hasard. Comme alors, ça, c'est pas les trésors. Ah, ça, c'est pas les trésors. Pardon, j'ai commencé dans le mauvais sens. Et bim, j'en prends un ici. Alors, voilà, c'est le trésor. Voilà, ça, c'est les trésors qu'on va essayer de gagner. Il y en a un par joueur. D'accord. Et ils ont deux chiffres dessus. Alors, celui qui est en bas à gauche, ça va être notre objectif, c'est-à-dire notre niveau de plongée pour l'atteindre. D'accord. Qui est de 7. Donc, il va falloir qu'on pose 7 cartes en dessous pour valider ce trésor. D'accord. Et ces cartes, donc on va poser nos cartes à nous, les petites cartes bubules. Ce sont les cartes bubules. Voilà, qu'on va devoir poser dans un ordre toujours de plus 1 moins 1. Elles sont de 1 à 9, 9 et 1 étant connectées, et donc il ne faut pas se tromper. On ne saute rien. Mais c'est les paliers. Ah oui, mais c'est les paliers de plongée. Voilà, mais c'est ça. Si tu vas trop loin, ton trésor est perdu, tu es allé trop loin, tu ne l'as pas trouvé. Si tu n'es pas allé assez loin, tu ne l'as pas atteint, etc. Donc il faut vraiment aller. Ah là, c'est cette carte en faisant à chaque fois plus 1 moins 1. D'accord. Okay. L'autre chiffre, c'est ce que gagnera la sirène, parce que c'est contre elle qu'on se bat. Alors la sirène, c'est une autre carte qui est mise à part, il n'y en a pas d'autre. Hein. Non, c'est juste ça, pour la symboliser. Si elle gagne, si donc nous, on n'arrive pas jusqu'au trésor à la fin de la manche. Elle le prend. Elle va le prendre, elle va gagner 3 points. D'accord. Notre objectif étant de marquer à la fin plus de points que la sirène. Ok. Sauf que nous, à chaque fois qu'on gagne un trésor, on ne marque qu'un seul point. Argue. Voilà. Alors on peut prendre un trésor hyper profond, nous ça nous fait un point. Ouais. Elle prend un petit trésor qu'on a raté, bim, elle se prend déjà 3 points. C'est ça. Selon les cartes. Et on va jouer 5 manches. 5 manches. Et donc au bout de 5 manches, on fait le compte de c'est qui a le plus gros trésor. De toute façon, il faut quand même l'avouer, les sirènes, ça bouffe les marins. C'est pas généralement des super gentils non plus, des créatures. Oh, elle veut juste le pognon. Ah d'accord, elle ne bouffera pas. Non. C'est ça, elle va quand même nous mettre minable. Je remets la sirène sur la table, là où elle était. Il y a 4 trésors puisque nous sommes 4. Il y en a un, il va falloir déjà qu'il aille fisser ça jusqu'à 10. Hein, il est pour moi, Guillaume. C'est pour moi, ça. C'est pour toi. Allez, c'est toi qui seras notre Jacques Mailleul. Ça, je le remets dans le petit paquet. J'ai mon brevet de secouriste. Hein, si et donc, du coup, on n'a pas le droit de parler.
Bah, tu peux toujours essayer, dur, mais tu perds du souffle. C'est ça. On peut mais parler, non, tu peux pas. Mais non. Non, c'est, d'accord. Okay. Vérifiez que vous avez 12 parce que je me suis fait 12 cartes. 12 cartes en main, mesdames et messieurs, amis joueurs et joueuses qui êtes présents avec nous et sur le chat et en différé pour 10, ceux qui regardent là. C'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 non, 11, 12. 12. Tiens, 11. Il faut les trier. Bah, tu peux. Ouais, c'est peut-être mieux. Ça, pour l'instant, on respire encore. Hein, là, on a le droit. Et comment, on repioche à chaque fois ou pas? Non. Ah non, tu joues avec les cartes que tu as en main. Avec tes cartes. Et donc, tu sais si tu peux ou pas y aller. Oui, mais on va y aller tous ensemble. Oui, on fait des signes. Non, on les met pas tout d'un coup, là. On joue ensemble, et puis les autres imposent. On fait des signes à la... On se fait des signes. En langue des signes, je peux. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Attends, juste une question. Est-ce qu'on joue une carte chacun notre tour? Non, tous ensemble. C'est tout en même temps le gros bronx. D'accord. Dès qu'on peut, quoi. Dès qu'on peut, dès que tu peux, tu poses. Ah oui, ok. Sauf qu'il va falloir... On démarre où on veut. Où tu veux. Oui, mais c'est mieux de démarrer à 1. Par exemple, bah, tu t'en fiches, non? Pour aller à 10. Ça va plus faire moins 1. T'as dit que tu peux faire moins 1 aussi. Oui, mais attends, ah, ouais, tu peux commencer par 5 et faire 6, 7, 6, 5, 4, 3, ah, 2, ah oui, d'accord, t'es pas obligé. Ouais, mais il faut quand même que j'arrive à 10. Non, à 10 cartes. 10 cartes, peu importe. Ça roule, d'accord. On a le droit d'en mettre plus 1, moins 1. C'est pas une suite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9 et 1 sont connectés. Et 9 et 1 sont connectés puisque ça boucle. Ça y est, attendez, c'est bon. Oh là là, j'étais complètement à la ramasse. Je pensais qu'il fallait atteindre 10 en plongée, ok. Alors attends, parce que alors, je vais encore être hyperventilation avant. Je vais encore être hyper loin, moi. Va être silencieuse. Hein, nous sommes en plongée. Bienvenue dans le monde du silence avec Fal Cousteau et son bonnet vert. Prêt? C'est bon, je dois prendre ça. Alors, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout là-bas. Hein, je vous préviens. Je vais faire celle-là, hein, moi. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Ouais, sérieux, on a géré comme des dingues, non? C'est, bah, c'est grave, moi. Bravo. Attends, on va vérifier. Je suis un peu chaud. 1, 2, 3, 2, 3, 4, ça c'est bon. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. Donc celui-là, bon, il est pour nous. Oh, la sirène, comment elle s'en prend un coup? Là c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, c'est bon. Oh là là, trop fort les gars, vous êtes bons. Ça c'est pour nous. Un deuxième point. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, c'est bon. Minable. Et là c'est 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7 8, 8 9. 9, c'est bon. On, est, on lui a primé les 4 trésors dans sa face. Et bim. Bien joué. Là. Alors normalement, on ne doit pas trier hein, ses mains, en fait. Ah oui. Je vous ai laissé faire pour la première parce que ça, c'est gentil. Ouais, d'accord. Coup, là, ça va être beaucoup plus difficile. D'accord. On complète à 12. On peut pas faire. On complète à 12. Merci. Moi, il m'en reste 3. On peut quand même les mettre en éventail 5, devant 6, soi. 7, 8, 8, 8, 9. 10, 11, 12. Ah non, par contre, t'es parti de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais non, t'es pas parti de 1. 10, 11, 12, t'en as combien? 8. Ah oui, marrant, pardon. T'étais parti de 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord. Il m'en manque 6. 6. 4, 5, 6. Je suis un peu chaud. 4. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si c'est... Ah bah oui, elle est chaude, cette eau. Des belles petites perles. Alors, on n'a pas le droit de les trier. On n'a pas le droit, donc, de les trier. Ah là, qui fait des bulles sous l'eau. C'est moi, j'ai eu un petit vent, pardon. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est la deuxième fois. Attends, analyse du terrain. Et on ne trie pas. Et là, je vous dis tout de suite, je ne peux pas trop aller là-bas. Attends, mais c'est hyper profond, là, tout, là. Ouais, 9, 8. Ça va être un peu coton. On se dit des choses avant de plonger ou non? On plonge. Moi, je suis par là, genre, très bien. Vous êtes prêts? Bah, tu peux gérer. Je suis trop loin. 3, je suis par là. 3, 2, 1. Généralement, on meurt, tu vois. On... Là, ça allait tout plonger. Mais jamais ça quand on plonge, jamais il y en a un qui fait. Et là, t'as mal au sinus, hein, je te le dis. Là, t'as les oreilles qui ont fait. Aïe, aïe, aïe.
Eh, j'étais bien parti là. Ouais, mais toi, tu faisais tellement ta vie, on était là comme deux couillons. Mais je me suis dit, bah, fais tout. C'est vrai, c'est que les autres, c'est pas pour ça. Pardon, on nous a fait bugger. Pardon, on nous a fait bugger. Non, non, mais t'es vrai. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est mort. Elle se prend. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle se prend 9 points. Et quand est-ce qu'elle gagne? Ça, ça. Ah non, c'est à la fin, j'en fais de compte. Mais alors là, on vient de se prendre minable. Là, on vient de se prendre minable. Parce que nous, on a 4 cartes. On a 4 points. Faut arrêter de vous faire rire. Vous regardez pas. C'est facile, ce jeu sur la première manche qu'on joue du haut. Non, ouais. Oui, j'ai trouvé qu'on était facile. On pouvait se marrer, en fait. Ouais, c'est ça, ah oui, c'est ça le truc. On a vu que ça t'avait pris un petit peu au dépourvu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, j'ai 12. Les 12, moi. Moi aussi, j'ai rien posé. Il a eu la merde. 6, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit problème de... On a mis du gaz hilarant au lieu d'oxygène, donc forcément... Comme un jeu de gaz. Ouais, on a pris, quoi. C'est ça. On a pris bon. Alors là, on a pris cher là quand même. On s'est... Alors là, minable. Je sais pas si... Et puis en plus, on va se marrer dès que je vais te regarder. Là. Je sais pas ce qui se dit sur le chat, on regardera ça après, mais on vient de se prendre un coup dur. La sirène, elle s'est régalée. On dit que c'est de ma faute ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est lui. C'est lui. Mais quoi? Mais non, mais j'ai rien. Mais j'étais parti, moi, je déroulais. Vous êtes prêts? Je déroulais. Non. Bon, alors. Est-ce qu'on se répartit un truc et c'est encore comme ça coince? On n'a pas le droit normalement de se parler. Vas-y, fais comme tu veux. Ouais, pas trop enchaîner à fond comme ça. Parce que ça fout tu vas rire ouais. Ça fout la pression? La pression, c'est drôle. La pression. Oh, bon sang. Ouais. Ouais, bon, là. Gigamic. Ouais. Pas un jingle spécial. Ah, ça serait bien. Ah ouais. Descends pas trop vite. C'est vrai? Voilà. Enlève les palmes. J'ai des regarde, trucs de ouf. Ça fait des ne rigole plus, me regarde plus. Ah, mais nous aussi, on a des trucs de ouf. Bon, d'accord. Prêt? On fait des signes si on n'y arrive plus. 3, 2, 1, go. Là, ça devenait quand même très dur. Ouh. Oh, c'était chaud. J'ai cru qu'on ne le finirait pas, celui-là. Vérification. Oh la vache, c'est éprouvant. Hein. Internotateur, internotatrice, essayez. Un timer, respiration. Je pense qu'on ne dépasse pas les 30 secondes quand même. C'est vrai, j'en sais rien. On va minuter, on va chronométrer. Oui, tiens, on va chronométrer pour notre... Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est nickel. Allez hop, ça en fait un de plus. J'avais un peu des trous dans mon... Ça, c'est un 9 de profond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 2, 1. Le 9, ça, c'était très bien vu, Mathilde. 8, 7, 6. Donc, tout est bon. Ça, Mathilde. Alors là, exactement. Autre chose, je le précise, quand vous posez une carte, vous ne pouvez pas l'enlever après parce que vous apercevez qu'on a dépassé. Oui, c'est ça. Jouer, c'est jouer. Non, mais tout à l'heure, c'est parce que je l'ai envoyé, tu as posé le 7 en même temps. Oui, c'est vrai. Les deux 7, c'est pour ça que je te l'ai rendu. C'est tout bon. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 et 6. C'est bon. On le récupère aussi. C'est bon, on connaît nos... C'était la fin de la troisième manche. Il en reste plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 points seulement. 4, 6. Elle a 1 point. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a encore 2 manches. On a encore nos chances. Alors, à qui est-ce que je redistribue? Tu veux le faire, Mathilde? Vas-y, je vais mélanger peut-être. Je vais mettre les trésors. J'en ai encore plein. Alors, un trésor à 7. Dis-moi combien il vous en faut. Moi, j'ai dépensé mes 12. D'accord. À 7. 4 mois. À 9, oh là la vache, et à 8. Ouais, donc on est quand même profond là. Là, elle nous emmène dans les profondeurs de la Terre. Encore je 4. Vais récupérer un petit chronomètre, histoire 4. De... De voir. Histoire de voir ce que ça va donner. Des bubules. Ah, mais tu veux que je mette sur mon téléphone, un chronomètre. Alors, je vais le chronomètre, tchac, boum, le voilà, le chrono. On va regarder combien de temps on va garder notre respiration. Vous êtes prêts? Non. Attends, parce que là j'ai un...
chat dans la gorge. J'ai un, ouais, un poisson chat dans la gorge. Évacue. Tu fais bien le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh le chacun. Stratégique, là. Vous ne calculez pas. Je ne... Oh la vache, ouais, ça va être un peu plus coton. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah, hey, 42, le double, quoi. 42 secondes j'ai, de, j'ai d'apnée. Ah, t'as fait la boulette. J'ai mis une carte de trop. Oh non, qui vient de nous pourrir notre plongée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ah là 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 là. Et pend 2 points pour la méduse, pour la sirène. Oh là 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 là. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est bon. 7, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8. C'est bon. Impec. Ça, un point de plus. Bon, on s'en est pris 3 dans les dents. 3, 4, 5, 6, 7. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est bon. Ça nous en fait un de plus. On remonte. 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Ok. Il me semble que nous sommes à égalité parfaite pour cette dernière plongée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 fois 2, 8, 9, 10, 11, c'est ça, égalité. Alors, combien vous en faut? Plongée, alors moi il m'en faut 4, 1, 2, 3, 4, 8. 8 en plongée, 6 en plongée, c'est une petite, cool, 9, oh la vache, et encore une grosse à 10. On va remettre ça à 0 et on va relancer. Combien tu mets 9 moi. 8. Un pec. Ça donne chaud, non? Oui, il fait chaud. Ah oui, on est quand même dans le triangle des Bermudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas de requin. Il n'y a pas de requin, c'est vrai? C'est pour la variante. C'est pour les petites variantes. Ah oui, ce serait excellent. Un des 4 requins qui t'embêtent, qui te pourrissent la main, ça fait des 4 en moins. C'est te mordre les bras. Un joueur est déterminé requin, il vient faire des chatouilles de partout. Non, ça serait un petit peu trop difficile. Ok, alors, dernière manche contre la sirène à ce Bermude. Attention, vous êtes prêts? Attention. Je remets le chrono. On est à 0. Nous allons plonger. 3, 2, 1. Hey, on est monté à 46. 46, 6, les enfants. Jacques Mayol peut se rhabiller. On est bon là? Non, me dis pas qu'on s'est planté. C'est bon, non, c'est bon. Ouais. Oh, j'ai eu peur. Ah, bon, attends. Tiens. Vérification. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Un point de plus. On prend la tête. 9 et 9, 8, 7, 8. 7, 8, 9, 1, 9. Ça passe. On prend, on a 2 points d'avance. C'est bon là. Ça devrait sentir on bon. On va se la faire. Ça, c'est bon. C'est bon. On y est. Bah voilà. On vient de mettre minable à la sirène du triangle des Bermudes. Je vous remontre la boîte. Eh bien, écoutez, c'est effectivement très particulier d'avoir réussi à faire un timer avec cette histoire de souffle. On est dans le thème, hein, il n'y a pas de souci. J'imagine, alors c'est à partir de 10 ans, en fait, on pourrait presque jouer plus petit, mais j'imagine que ça doit être quand même assez éprouvant. Enfin, j'en sais rien, c'est à tester, mais ouais, à des gamins de dire, ben voilà, tu peux très bien moduler s'organiser avec le...
tu peux très bien moduler aussi la difficulté avec le nombre de trésors, en mettre moins si d'accord. tu veux que ça soit plus facile. D'accord, pour qu'ils se concentrent sur la discussion. Plusieurs, par exemple. D'accord. Là, je pense que nous, adultes comme ça, on pourrait passer à 5 trésors de plus pour ouais. que ça mette un petit peu plus un de pression. Un petit coup de pression, etc. On peut leur dire qu'ils ont le droit de prendre la respiration une fois, par exemple. Oui, voilà. Ils ont juste un le voilà. petit crayon, c'est le petit crayon de James Bond. Ils ont le droit à un souffle. C'est un jeu de Carlo Emanuel Lanzavecchia et une illustration de Oliver et Sandra Freudenreich. Ça arrive chez Gigamic en juillet yes. 2016, que je ne me trompe pas. Je pense que ça devrait faire son petit bonhomme de chemin parce que ça a quand même un petit twist, une petite saveur ouais, particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est sympa. En c'est tout original. Cas, ici, c'est original, effectivement. 12 euros pour Bermude. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Guillaume. Jacques Mayol. Merci, Guillaume. Tu reviens quand tu veux. Patricia, pareil, n'hésite merci. Pas avec des branchies cette fois. Et puis, en attendant, si vous aussi, vous avez envie d'essayer Bermude, j'allais dire à vous de jouer, mais non, à vous de retenir votre souffle. Tiens.